Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush où on va tester tout simplement les unités level 85 Smoker V2 et Kinemon niveau 100. Donc je ne maîtrise pas à 100% ces personnages, même pas, je dirais même pas à 60%, même ce ne sont pas mes mains, j'ai pas trop tendance à jouer ces personnages, mais j'ai décidé de faire pas mal de contenu sur les unités que je ne joue pas, comme ça je deviens polyvalent et je commence à maîtriser la quasi-totalité des personnages, même pour les personnages de type natif 2 étoiles, 3 étoiles également. Sur ce, on y go. Je vous fais un résumé, le temps de trouver une partie. Donc je joue avec comme 7 de pièces, défense, critique et HP simple et réduction d'étourdissement. Réduction de temps sur l'étourdissement. Du coup, on passe directement au combat. Juste pour le combat, je me mute, je ne commente pas, je vous laisse visionner tout simplement le combat. C'est sûr à 100% que je ne vais pas vous proposer du beau gameplay, mais petit à petit, on va s'y faire. Sur ce, bon visionnage.敵をやっつける剣。 Pour le premier combat les gars, on va pas se mentir, c'était vraiment nul. Du coup, on va enchaîner sur un deuxième combat. En vrai, Kinemon n'est pas une unité que je kiffe réellement. Je vais pas vous mentir là-dessus. Mais pour concernant
concernant Smoker, je pense que il pourrait faire partie de mes prochains mains avec Kuzan si j'arrive à tout simplement gagner assez de pièces pour les améliorer niveau 100. Enfin, assez de fragments de cristal 4 étoiles. Du coup, transition directement sur le combat. Je coupe le micro comme d'hab et on fait une petite conclusion à la fin. En vrai de vrai, j'ai très mal joué aussi sur cette partie, mais je vais quand même la garder pour la vidéo. J'ai réussi à garder pas mal de points avec Kinemon. Je commence un peu à mieux savoir esquiver, donc ça c'est pas mal. Après c'est vrai que j'ai pas le meilleur set des pièces. Le set de pièces n'est pas du tout maxé. Je dois avoir une carte 8 étoiles, enfin une pièce 8 étoiles et le reste 7 étoiles et 7 étoiles. Donc ce qui fait que ça me désavantage là-dessus et l'arbre de boost n'est pas monté. Je pense que une fois que j'aurai bien maîtrisé les esquives, que j'ai une meilleure vision de map, etc., etc., je pense que d'ici là, je pourrai largement maîtriser ce type de personnage. D'un point de vue global, les unités peuvent être largement jouées à ce niveau-là. Mine de rien, la contre-attaque de Kinemon est pas mal. Le grab et le stun de tout simplement Smoker V2 est quand même assez correct dans l'ensemble. Il a une très grosse portée. Je pensais pas qu'il avait une aussi grosse portée que ça d'ailleurs. Et sinon, en globalité, j'aime bien les deux unités en fin de compte. Mais il me faut
un petit peu plus d'entraînement. Sur ce, je vous dis ciao, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve ce soir pour le petit live sur One Piece Bounty Rush. Enfin, petit live, là, ce sera largement un plus gros live où on va tryhard le PVP. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.